Hier spricht der Sender Wirwolf, Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten. Das Oberkommando unserer Feinde hat über die besetzten Gebiete Ausgehverbot verhängt. Dieses Verbot gilt nicht für uns Wehrwölfe. Auf vertrauten Wegen... Septembre 1944. Heinrich Himmler lance l'opération Werwolf et ordonne alors à l'Obergruppenführer Hans Adolf Prutzmann de créer une unité spécialisée dans la guérilla, idem à ce qu'il avait pu rencontrer à l'Est avec les partisans soviétiques. Formé en même temps que le Volkssturm, qui est une milice populaire devant prêter main forte à la Wehrmacht sur le territoire du Reich, les Werwolf sont quant à eux plus destinés aux actions de sabotage, créer un trouble aux arrières des lignes ennemies afin qu'ils ne se sentent jamais en sécurité. Avec une Allemagne qui se fait pénétrer de toutes parts, ces loups-garous devaient aussi mettre la pression sur la population civile voulant pactiser avec l'ennemi en s'occupant des traîtres et des déserteurs. Le roman Der Werwolf d'Hermann Löns se déroule durant la guerre de 30 ans au XVIIe siècle. Une communauté paysanne enracinée se défend alors contre des soldats étrangers errant sur les terres allemandes. Pillages, viols et massacres. La nuit, ces paysans se muent en véritables loups-garous sanglants pour réduire à néant ces hordes barbares. Les Werwolfs du Troisième Reich se voudront défenseurs du pays à l'instar des paysans de ce roman. Les alliés sont assez vite au courant des agissements de ces loups-garous à l'emblème particulier, notamment à travers divers journaux américains comme le Times. Le 23 mars 1945, le docteur Joseph Goebbels prononcera son discours dit du discours du loup-garou. Dans ce dernier, il pousse les Allemands à se battre jusqu'à la mort. Une station allemande pirate, Radio Werwolf, est même créée le 1er avril 1945, qui commence toujours ses émissions par le hurlement du loup. Concernant la formation de ces unités de guérilla, cela reste éparse. Secrètement formés dans la Rhénanie ou à proximité de Berlin, ces recrues venaient bien généralement des jeunesses hitlériennes. On estime à 5000 le nombre de volontaires formés officiellement. Pour ces loups-garous, la formation consiste à apprendre le maniement des armes, tuer en silence et escalader des tours de garde. Infiltration et attaque silencieuse. Les Werwolf d'Hans Adolf Prutzmann avaient également un QG qui se trouvait au château de Ulschrath en Rhénanie. Dans les zones occupées par les troupes alliées, ils sont chargés de se fondre dans la masse et d'attaquer au moment opportun. Le commandement leur avait promis de l'armement de dernière génération. Or, ils n'auront que ce qu'ils trouvent en réalité. Depuis le début de la guerre, les Allemands avaient enterré armes, munitions et explosifs pour un moment comme celui-là. Mais bien souvent, ce sont les Alliés qui mettent la main dessus. Ce qui poussera les Werwolf à se débrouiller et à fabriquer eux-mêmes les explosifs. La communication entre les différents groupes de loups-garous est quasiment inexistante. Mais leur sigle, la rune du loup, reste leur moyen de communication primaire. Et ce symbole commence à faire peur à l'est comme à l'ouest pour les unités alliées stationnées. Petit retour sur la rune du loup, qui représente un piège à loup pendant la période médiévale. Il servait également
à délimiter les frontières et à identifier les gardes-chasse. Il sera utilisé par la suite dans de nombreux blasons allemands. Même si leurs actions dépassent largement les réalisations sur le terrain, il n'en demeure pas moins vrai qu'ils ont créé un réel climat d'insécurité dans les zones occupées par les Alliés. Même si souvent il s'agissait de petits groupes de personnes qu'on rattachait au Werwolf, certaines attaques médiatiques sont très bien utilisées par la propagande. Le maire d'Aix-la-Chapelle, Franz Oppenhoff, est assassiné le 25 mars 1945 par les Werwolf, ce dernier étant considéré comme un traître à la patrie. Le major général Maurice Rose de l'US Army mourra également le 25 mars 1945 à Paderborn, tué par les crocs de ses loups-garous. Le major John Poston, aide de camp du maréchal Montgomery, est également assassiné le 21 avril 1945 par ses jusqu'aux boutistes. Les loups-garous d'Adolf Prutzmann tueront environ 100 soldats russes et américains par empoisonnement avec des boissons frelatées. Du 29 janvier au 1er mars 1945, ils défendront jusqu'au dernier la ville de Pyritz en Poméranie contre le 9e corps de chars de l'armée rouge. Dans la forêt noire, 35 jeunes loups-garous détruisent les forces américaines présentes sur le secteur, provoquant une colère noire de l'état-major américain. Entre 1300 et 1400 werwolves se cachent dans les forêts à l'est de l'Allemagne. Ils agissent parfois afin de créer un climat de terreur. Mais à l'hiver 1946, 200 loups noirs du commando von Hubertus sont mis hors d'état de nuire. Ce groupe issu des werwolves sera actif bien longtemps après la guerre, car un de ses derniers membres sera abattu en 1954.